Salut people du Bled, c'est Ronce Koukilouki là, restez branchés, suivez-moi ici, toutes les interviews et bien sûr l'intégralité de beaucoup des spectacles passera par ici. Je vous kiss beaucoup. Yeah. Salut people du Bled. Voilà, je suis Ronce Koukilouki là comme Nzuzi, humoriste de profession et comédien de formation. Je suis gradué en art à l'Institut National des Arts où j'ai fait l'option interprétation dramatique. Voilà. Voilà, je crois que c'était lors d'un festival à Brazzaville, le Touceo. C'était la troisième édition du Touceo. Donc voilà, je me suis dirigé à Brazzaville pour une aventure. D'ailleurs, c'était une première partie que je devais faire à Brazza, gratuitement. Je suis parti participer à ces festivals gratuitement. C'est là-bas que j'ai rencontré Oumar Mané, C'est la vie et Rukyata Ouedraogo de Burkina Faso. J'ai fait une première partie qui a super bien marché et ils ont aimé ce que j'ai fait. Ils m'ont dit, ben voilà, pourquoi tu ne participes pas au Parlement du Rire? C'est le mail de Marie-Christelle et de Maman. Voilà, j'ai contacté Maman, j'ai envoyé mes textes par mail, j'ai été sélectionné et c'est comme ça que ça a commencé cette aventure. Toi, ça va toi là? J'aimerais bien te voir au Jamel Comedy Club. Hein, on m'a dit que tu es célibataire, y a un problème avec ta beauté ou quoi? Plutôt radieux, je crois que ça commence à prendre de l'avenir, à prendre sens, à prendre forme. C'est pas du tout facile pour un comédien congolais d'aller un peu plus loin puisqu'on n'a pas de, on n'a pas ces structures qui nous suivent de près. On pourrait parler du festival Toseka, mais c'est le seul. C'est quand même un grand pays avec 60 millions d'habitants où on peut avoir des milliers d'artistes humoristes qui sont en train de se battre eux-mêmes. Mais après l'évolution, je vois qu'il y a beaucoup de comédie club, il y a beaucoup de petites structures de jeunes qui essaient d'organiser des petites soirées. Je crois que d'ici quelques années, on pourrait dire que ça sera merveilleux. Oui, ça c'est un souhait de tout humoriste africain, européen, anglophone. Je crois que tout le monde voudrait bien se pointer dans le cinéma. Il y a un truc que Michel Gou m'a dit lors d'un tournage Canal Plus pour la récente publicité que je venais de faire avec le bouquet Canal Plus. Alors il m'a dit, je crois que bientôt on sera sur un court métrage. Il l'a dit comme ça. Il m'a déjà dit qu'on sera sur une pub, on était sur une pub. Il m'a dit, je serai sur un court métrage tantôt. Ben moi je l'espère, hein. Moi je bosse dur pour ça, je reste focus dans mes objectifs pour que plus tard je sois parmi ces comédiens humoristes congolais qui participent dans des grands projets internationaux. Donc voilà, je crois que les choses se présentent un tout petit peu bien pour moi. Je suis en train de me battre seul, mais je ne dirai pas seul parce que je me bats avec vous. C'est vous qui me soutenez, internautes, blogueurs et tout. Donc je serai au Marrakech du Rire le 21 juin au Maroc par l'invitation de Monsieur Jamel Debbouze, qui est une idole d'ailleurs. Puis juste après le Marrakech, je serai à Kigali pour une soirée le 22 juillet. Et puis on va se diriger vers Goma pour le dernier spectacle, ce sera le 5 août. Donc voilà, pour tous ceux qui me suivent, pour les internautes, amoureux de People du Bled, voilà, les rendez-vous est pris. Il y a Monsieur Jamel Debbouze déjà, puisque c'est un mentor, c'est lui qui m'a donné cette envie de faire ce métier. Il y a Gad Elmaleh, voilà, que je kiffe énormément. Puis il y a l'humoriste Thomas Wissel. C'est un Suisse que je suis ces derniers temps, c'est un gars qui, c'est un jeune comme moi qui bosse alors vraiment dur. Continuez à me suivre, je vous kiffe beaucoup et soyez là, le Comedy Club congolais, c'est très bientôt. Moi je vous aime beaucoup. Jamel. Lire la Bible, oh non Seigneur. Lire la Bible. À la voiture. À manger. On fait à Bruxelles. Hein. Nostalgie. Ouais. Fatima Seir. Je trouve, je garde hein, la galère, frère. Oh, Nakin. Réfléchir avant d'agir. Ça dépend, mais bon, avec hein.